dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. J'espère mener à mieux et à bien cette mission qui est de vous conduire au bal de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité sans mes acolytes. Bah oui, aujourd'hui je suis seule sur le plateau. Dioa, Jacken ainsi que Doria sont absents. Bah, espoir de réussir cette mission, je vous dis bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire aimé, joyeux anniversaire. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Aimé, c'est mon réalisateur. Il m'a dit, Lynn, tu ne souhaites pas joyeux anniversaire, tu as sorti vers sur l'écran. Donc, j'ai démarré en souhaitant joyeux anniversaire de peur. Notre tête swag et fraîche en apparaissant sur vos écrans. En tout cas, mon gars, plein de bonheur, que cette nouvelle ride qui s'installe sur ton visage soit celle de la prospérité, de l'accomplissement total. Et que les doigts et magiques soient toujours à l'honneur. Et pour tous ceux qui célèbrent l'anniversaire aujourd'hui, ainsi que notre cher réalisateur, plein de bisous et tout bonheur à vous. Alors, le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et vous êtes en direct des locaux de Truy TV. On rappelle que nous sommes au numéro 254 du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la TNT, aussi digitale que télévisuelle. Votre émission, votre télé interactive se veut. Donc, rendez-vous sur le profil Facebook Mac 12 Direct 3 TV. Poursuivre le direct, poursuivre le live. Il faut sécuriser. Je vous ai toujours dit sécuriser le live. Souvent, on est attaqué. Vous savez, c'est pas facile d'être la meilleure émission de divertissement du paysage de l'audiovisuel. Donc, ça fait un peu des petits jaloux, des fans qui sont un peu récalcitrants. Mais on s'en est habitué. Alors, aujourd'hui, encore, on vous servira le même menu qu'hier parce que quand c'est bon, on bisse. Donc, annonceur et l'instant grain, c'est ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Et, comme d'habitude, il aura de la folie, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Alors, sans plus tarder, nous allons partir pour l'instant. Annonceur. Parce que vous avez le savoir-faire et nous les moyens de le faire savoir. Et plusieurs l'ont bien capté. Quand je dis plusieurs, je parle aujourd'hui de Jeune Épanouie, je parle de SAC, ainsi que Le Fégoua. Une belle saga d'annonceurs se déroule maintenant et on démarre avec Monsieur Hassène Rwamba et le Gomdaogo, différent de Gomdaogo. Voilà. Le Gomdaogo national, représentant sur ce plateau la team Je suis jeune et épanoui. De peur de dire quelque chose de louche. Bonjour à vous, vous allez bien? Ouais, ça va très, ça va très bien. Super. Et à droite, j'ai la team SAC représentée sur ce plateau par M. Nikema Inoussa et M. Roméo Tiendré Beogo. Bonjour à vous. Bonjour Lynn. Vous allez bien? Très bien. Super, Dieu merci. Tout à l'heure, nous allons retrouver Don César et la l'artiste du jour, un invité surprise. Eh, je suis sûr que ce gars-là, vous allez l'adorer. On rappelle que Don César représentera tout à l'heure la team de Fégoua. Alors, je vais démarrer avec Je suis jeune et épanoui. Hassène, bonjour une fois de plus. Le Gomdaogo, bonjour aussi à vous. Bonjour. C'est quoi la différence entre Gomdaogo et Gomdaogo? Est-ce que y a la signification est différente? Le Gomdaogo, lui, en fait, c'est le nom de famille. Le Gomdaogo national, c'est pour dire que c'est le nom de famille qu'on peut retrouver partout au Burkina Faso. Okay, okay. Et le nom de famille également qui s'exporte le plus facilement. Oh, ok. C'est okay. Ça le Gomdaogo national. Bon, Wamba, toi, il n'y a rien à dire sur ton nom ici. Non. Wamba, déjà, ça donne déjà son nom. On entend Roi dans la. Donc, ouais. Alors, je suis jeune et épanouie. Un concept que j'aime bien parce que je suis.
même si les gens se trompent parfois pour m'appeler Tanti, je suis une jeune fille. Ah bon. C'est ça. Donc, épanouie, je le suis bien. Donc, j'adore déjà le nom du concept. Cependant, tout est parti, l'idéologie, l'esprit, le concept. Quand on parle de jeune et épanoui, dans l'épanouissement, nous, on voit la réussite. Mmh. Et quand on parle de la réussite a plusieurs facteurs. Oui. Nous avons le plan économique, nous avons le plan social, nous avons également le plan social que nous avons dit, et le plan intellectuel également. Donc, c'est pour cela que nous avons dit « je suis jeune et épanoui ». Parce que tout jeune qui aime mieux se épanouir, d'abord pense à la réussite. Mmh. Voilà. Et comme les facteurs que j'ai donnés définissent au fait la réussite en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que nous avons donné le concept « je suis jeune et épanoui ». D'accord. Alors, jeune et épanoui, un concept qui s'alliera à une belle journée avec un superbe programme qui aura lieu en deux timings, le matin et le soir. C'est exact. Exactement. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous allons faire le matin et qu'est-ce que nous allons faire aussi le soir? Bonjour mesdames et messieurs, je vous défile rapidement le programme de Je suis jeune et épanoui. Déjà dans la matinée du 29 octobre, nous aurons un panel. Okay. Voilà, un panel de quatre communications différentes qui seront faites par des entrepreneurs à succès, de très grands panélistes que je cite. Nous avons M. Mano, PDG de World Robot, nous avons Mme Bella, PDG de Containers Dream, ainsi de suite, ainsi que deux autres PDG de grand renom qui seront là pour donner des communications sur l'investissement, les opportunités, les innovations, ainsi que tout ce qu'il y a en fait à mettre pour pouvoir avoir une carrière classique, une carrière vraiment très moderne. Là, c'est déjà dans la matinée. Et dans la soirée, là, c'est vraiment un programme typiquement jeune, c'est-à-dire que c'est le sport. Nous aurons d'abord une parade avec les Rollers. Voilà, les Rollers, nous allons faire le tour des encablures de la ville de Ouaga. Nous aurons une parade, une caravane avec un pochard et avec des danseurs pour également sillonner tout Ouagadougou. Et le soir, même à partir de 16h, nous aurons une grande aérobie. Une aérobie sportive avec plus de jeunes, plus de 500 à 1000 jeunes que nous attendons, qui viendront de tous les côtés du Burkina. D'accord. Okay. Alors, ça veut dire le soir, on aura un programme typiquement jeune. C'est-à-dire que le soir, là, les vieilles personnes quittaient, quoi. Non, pas ça. Allez-y dormir. Non, pas ça. Quand je dis ça, c'est que pour ma qualification, et si nous allons nous baser sur des sources sûres, d'accord. Voilà, un jeune, c'est celui qui a entre 7 et 77 ans. Ah. Pourtant, je sais qu'ici, entre nous quand même, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de 77 ans, à part notre seule ligne, bien sûr. Ah. Ouais. Tu as sorti. Vos amusements, ils sont pas. Non, je crois qu'on va s'entendre. Voilà, on va s'entendre. Moi, je suis affairée. Ça, mon affaire, qu'il y a tout le monde me connaît. Ah bon? Tu as parlé de surprise et innovation. J'aimerais savoir. Faut pas me dire non, venez ce jour-là, vous allez connaître la surprise. Ah bon? D'accord. Surprise et innovation, là. Ça, car il faut me dire. Il n'y a pas dit à quelqu'un. T'inquiète pas, la caméra ne marche pas. C'est moi seul qui te vois. D'accord. D'accord. Quand on parle de surprise, ça ne se dit pas. Mais comme c'est entre nous, entre nous deux seulement, c'est là, ça, voilà, c'est je ça, vais ça, expliquer. Déjà, la surprise que nous aurons le matin, c'est quoi? Nous aurons des opportunités de stage et d'emploi. Parce que nous avons de grands chefs d'entreprise, des PDG qui décident d'offrir des stages. Nous aurons, par exemple, des stages en GRH, des stages en comptabilité, et des gens même qui sont prêts à employer des personnes à la limite de leur stock disponible. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ceux qui seront présents, nous allons procéder à un tirage au sort. Okay. Donc, c'est pour dire que tu peux venir et repartir avec un stage, et repartir avec un emploi même le jour J. Ça, c'est déjà la matinée. Et le soir, l'innovation majeure, c'est quoi? C'est que quand on parle d'aérobie, on a l'habitude, on met juste la musique, on fait le sport. Mais là, je vous assure que nous allons jouer ça en live. Les musiciens sont là et les sportifs sont là. On joue en live. Pendant qu'on joue, nous, on fait le sport à côté. Voilà. Et il y a notre grand frère Smati qui sera de la partie pour donner de la voix. Et le groupe Céleste qui sera là. Un groupe qui est vraiment connu. Voilà. Africainement et même internationalement, ainsi de suite. Et je peux même vous prêter ma voix les jours là, s'il y a un peu de temps. On garde ta voix. Garde ta voix. Viens courir nous. Ah bon, tu vas me faire ça. Je préfère. Alors. Comme tout sport, il y a toujours des conditions de participation, comme tout événement, pardon. Quelles sont les vôtres? Pour les conditions de participation pour la matinée, il y a des badges
que nous avons mis en place qui sont là. Il y a des badges de 1000 francs. Également, il y aura des badges VIP de 5000 francs. Voilà, voilà, on a mis 1000 francs pour permettre à toute personne, parce que nous, notre objectif avec... Voilà, soulève un peu plus comme ça. Okay. Voilà. On a mis les badges à 1000 francs parce que l'objectif que nous visons, avec la situation que nous vivons actuellement, les jeunes se posent, est-ce qu'on peut réussir dans ce contexte socio-économique difficile? Et nous, on se dit, même malgré les défis, les difficultés que nous avons, on peut réussir. Ouais. Et on peut également même développer des choses même, qui vont même... encore amener le Burkina à un autre niveau. Parce que la vision que nous avons, le Burkina Faso est un Eldorado. Ah, c'est clair. Il faut juste avoir des pensées positives pour pouvoir développer quelque chose. Donc, nous avons mis les badges à 1000 francs. Donc, également aussi, il y a d'autres qui ont demandé s'il y a des badges VIP. Donc, on a mis des badges de 5000 également aussi, pour ceux aussi qui veulent les VIP. Ceux qui ont demandé pas des 5000, je suis sûr que c'est les gens de Ouaga 2000 puis des Saba. C'est leur comportement. Les gens de Kapala me l'ont demandé. Quoi? Même Kapala. Même doucement, doucement. À moins qu'il y ait du Carpalais. On va faire ça. On va faire ça. Si vous êtes frigo encore à Carpalais, on sait pourquoi. Mais là-bas, la facture coûte moins cher. Mais le bail de 5 000 est celui qui est à côté, c'est ça? Bon, bon, les badges de 5 000, ça sera une autre forme. Oh, ok, d'accord. Voilà. Et avec les badges de 5 000, non, on s'assoit même avec les musiciens. Non, bon, non, en fait, la matinée, en fait, ça sera juste le panel. Okay. Maintenant, dans la soirée, en fait, c'est gratuit. Ah, oh, super. C'est gratuit, le sport c'est gratuit. Yeah. Parce qu'en fait, on a également mis le sport, parce que quand on parle de la réussite, il faut réussir intellectuellement, mais il faut être aussi en bonne santé. Oui. Les deux se concilient. Donc, le sport, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Ok, voilà. D'accord. Et les badges, on les obtient avant le jour J ou le jour J? Avant le jour J, on peut les avoir. Également, le jour J sur place aussi, on peut s'en procurer. Depuis, on a causé. On a parlé de l'événement jeune, je suis jeune et épanoui, mais on n'a pas encore dit l'essentiel même. Date, lieu, heure. On ne sait pas, c'est où. Okay. La date, c'est pour le 29 octobre, à partir de 8h au niveau du Sénaza. Ok. Voilà. Et la soirée, c'est à partir de 16h au niveau du plateau Omnisport de Somgandé. Ok. Voilà. Donc, brièvement, c'est le programme comme ça. Également aussi, nous avons mis des t-shirts en place. Je suis jeune et épanoui. Donc, on peut s'en procurer sur place. Voilà, au prix de 3 500. Même avant l'événement aussi, on peut déjà s'en procurer. Ok, l'info line Le 72 57 72 28. Merci beaucoup la team, je suis jeune et épanoui. Merci le Gomdaogo le Gomdaogo national. Gomdaogo. Voilà, Gomdaogo national. D'accord. Et Asen. Bomba. Là, je vais détourner mon regard et le fixer directement sur Monsieur Nikema Inoussa et Roméo Tiendré Beogo. Vous représentez sur ce plateau la team de SAC, entendez par là les scènes artistiques de Karpala. Exactement. Il y a 10 là-bas. Beaucoup. La base même, c'est là-bas. Voilà, la base même, c'est là-bas. Et puis les vrais stars même, c'est à Karpala. Tranquille. Il n'y a pas besoin de fond d'été là-bas. Non, maintenant, il y a goudron. Et puis il y a lumière. Tranquille. Les quatre points de Karpala, c'est l'éclairage total. C'est l'éclairage. Voilà. Alors, le Rassemblement des Jeunes pour la Cohésion Sociale, abrégé RJCS, organise la 5e édition des SAC, entendez par SAC, scène artistique de Karpala. 5e édition, waouh, c'est fort, hein? Avec un programme très chargé, je dirais même surchargé pour nous. Si on n'est pas habitué à voir ce genre de programme aussi éloquent, bien attrayant, je vous félicite déjà pour cette idée. Déjà, on va commencer par présenter RJCS. Merci, Lynn. Et il faut dire que le Rassemblement des Jeunes pour la Cohésion Sociale est une structure associative reconnue par le ministère en charge des libertés publiques. Et c'est une structure des jeunes, comme on l'a si bien dit, et qui lutte pour la cohésion sociale à travers la dénomination de la structure. Vous voyez bien, le Rassemblement des Jeunes
pour la cohésion sociale qui lutte. C'est une structure associative qui travaille pour amener le vivre ensemble, la cohésion sociale, au sein des communautés vivant ensemble. Donc, et cohésion sociale, qui parle de cohésion sociale, pas de vivre ensemble. Donc, pour le vivre ensemble, nos activités contribuent, hein, tant soit peu, à réunir les gens autour des activités. Et ces activités sont incluses dans le projet appelé Scène artistique de Kampala. Ah, ok, vraiment. Moi, je ne sais pas, pourquoi utiliser des artistes forcément pour parler de paix? Parce qu'à chaque fois, moi, je sais pas. Nous, il y a des animateurs, il y a des acteurs, il y a beaucoup. Pourquoi utiliser à chaque fois des artistes lorsque vous voulez parler de paix et de cohésion sociale? Ce n'est pas exclusivement les artistes, parce que quand vous regardez le programme des scènes artistiques de Kampala, il y a jusqu'à 4 grandes activités phares. Il y a les soirées culturelles dédiées aux artistes, c'est les artistes qui vont prester. Il y a un tournoi de Maracana. Vous voyez que là, ça réunit les jeunes fondamentalement. Il y a un tournoi de pétanque. Et vous voyez que la pétanque est adorée par les gens d'un certain âge. Et il y a aussi une séance d'aérobic qui va concerner toute la population de l'arrondissement. Donc vous voyez que non, c'est l'un dans l'autre, c'est des activités qui réunissent un monde fou. Et à travers ces activités, nous prenons un certain nombre de messages, un message de rassemblement, un message d'union, parce que vous voyez, autour de ces activités-là, on ne sait plus qui appartient à quelle ethnie, qui appartient à quelle religion. Tout le monde est sur une même scène, tout le monde se trouve sur un même lieu, et on se parle en toute franchise, et on peut se communiquer des messages de fraternité. Et c'est pourquoi le volet pétanque, c'est un tournant de pétanque dénommé tournant de pétanque la fraternité, tournoi de football dénommé la fraternité, et évidemment la science d'aérobic qui réunit toutes les personnes de toutes les couches. D'accord. Et tout ce merveilleux programme aura lieu le même jour? Oui, il faut le dire ainsi. D'abord, je vais saluer tous les amis de Kampala. C'est important. Voilà. Donc, les scènes artistiques de Kampala vont se dérouler du 3 au 6. Donc, okay. 3, 4, 5, 6. Donc, 4 jours pour festoyer, pour vraiment se procurer de la joie. Et ça sera donc à Kampala. Kampala qui est situé donc au sein de l'arrondissement 11, le plus grand arrondissement de Ouagadougou d'ailleurs. Et celui qui ne connaît pas peut-être le King Terrain, c'est juste à proximité du grand marché de Kampala, marché de vendredi. Voilà. Donc, toutes ces activités donc, seront donc exécutées donc, du 3 jusqu'au 6. Maintenant, la finale, par rapport à la finale, bien sûr, du Maracana de la fraternité, comme il a si bien annoncé, c'est dès la fin, bien sûr, à la clôture, bien sûr, de cet événement. Il y aura aussi la finale du tournoi de pétanque, au risque de me répéter. Il y aura beaucoup de surprises, bien sûr, pour la population de Kampala et aussi la population environnante des autres quartiers. Ok. Quelles sont les conditions de participation à ce festival? Il faut dire que la participation est gratuite. Voilà, la participation est gratuite parce que nous serons en plein air. C'est au niveau donc du terrain King, comme je l'ai dit tantôt. Et cette année, la 5e édition va se préciser sur le thème industrie culturelle, créative et employabilité des jeunes. Voici le thème donc sur lequel donc on va donc beaucoup s'attarder vers la fin, bien sûr, de cette cérémonie. Il y aura bien sûr beaucoup de communicateurs. Et déjà, tu es invité, comme tu parlais de communicateurs et animateurs. Oui. Voilà, je pense que cette partie-là te concerne vraiment et je sais que tu viendras aussi soutenir la jeunesse burkinabé. Alors, un des événements majeurs de votre festival, c'est le grand festival sportif culturel. Oui. C'est le premier grand festival sportif culturel de la jeunesse de Kampala. C'est important. Au cours de ce festival, quel est le programme? Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'on retrouvera dans ce festival qu'on ne retrouve pas ailleurs? D'abord, je vais mentionner qu'il y a une pléiade d'artistes musiciens qui vont se succéder sur la même scène. Du 3 jusqu'au 6, chaque soirée, il y aura quand même pas mal d'artistes musiciens qui vont se côtoyer sur la scène donc de scène artistique de Kampala. On peut citer déjà Miss Maya, on peut citer déjà Kadimouine Puire, il y a l'artiste L'Alpha, Wenpanga sera là, il y aura beaucoup de surprises. Sylvia sera là, donc il y aura beaucoup de surprises. Et aussi, c'est l'engouement et aussi le thème vraiment qui est assez intéressant.
pour la jeunesse et comment contribuer réellement à ce que l'industrie culturelle soit prospère pour un pays en voie de développement comme le Burkina Faso. Et surtout que nous vivons dans une situation assez difficile, c'est l'heure quand même bienvenue pour qu'on puisse communier ensemble et aussi vivre la parfaite symbiose. Voilà. D'accord. À quelle heure est prévue pour l'ouverture du site? Oui, le site sera ouvert à partir du jeudi 3. Mmh. Le jeudi 3, c'est l'ouverture officielle. Et il y aura des prestations la soirée. Mmh. Et effectivement, le lendemain aussi, il y aura des prestations jusqu'au jour J, le 6, qui est le jour de la clôture, où on va commencer le matin avec les séances d'aérobic. Mmh. Ensuite, les boulistes vont prendre l'espace du terrain. Et à 16h, c'est la finale du tournoi de Maracana, lequel Maracana se jouait depuis août. Donc on a joué toutes les phases et on a gardé la finale pour jouer maintenant le dimanche à 16h. Et à partir de 20h, sur le même espace, le King Terrain, nous allons clôturer en beauté ce grand projet dénommé Scène Artistique de Karbala. D'accord. Alors, pour tous ces artistes qui aimeraient participer aussi à cet événement, est-ce qu'il y a des conditions? Par exemple, des artistes en l'air, moi, je commence à chanter hier dans ma douche. Je sens que je peux entrer au studio demain et puis sortir quelque chose. Est-ce que je peux apporter ma pièce à l'édifice ou bien la liste est déjà bouclée? Nous pouvons toujours les recevoir sur notre liste hein, pour vraiment donner une bonne prestation. Il faut que nous écoutons d'abord la chanson et voir à quel niveau nous pouvons donc évaluer et puis aussi voir si est-ce que ça peut plaire à la population. Parce que l'objectif c'est de plaire à la population. Karbala City, donc je pense que nous allons donc écouter par des personnes bien sûr habilitées à écouter et puis aussi voir si réellement cet artiste musicien a une posture assez intéressante pour ceux qui vont venir pour nous suivre. D'accord. Alors saisis des opportunités. Nous, c'est notre phare à Karbala. J'ai habité là-bas d'abord avant d'habiter à Ouaga 2000 extensions. C'est Karbala qui t'a fabriqué. Faut dire ça aussi. Alors, moi, je sais que dès qu'on dit qu'il y a une petite musique quelque part, on dit qu'ils vont qui grillent à loco, elles aiment sortir pour venir s'associer à l'événement. Est-ce qu'on peut se permettre ça? Est-ce qu'on peut s'ajouter à ça? On peut s'associer à cet événement, les prestataires, c'est-à-dire que les vendeuses à locaux, des deux jus, ou même des grands partenaires, hein, ouais. Je prends de grands instituts. Est-ce qu'on peut associer notre image, notre savoir-faire à votre événement ou bien ça ne nous concerne pas? Oui, effectivement. Je crois que le projet, même derrière le projet, c'était ça. Mmh. Le projet devrait prendre en compte toutes les personnes. Mmh. Et vous voyez, durant ce timing-là, les femmes, comme tu l'as si bien dit, seront à côté avec des petits commerces. Mmh. Et ça, c'est ce que nous visons derrière. Elles vont se faire des petites économies. Et derrière, ça continue à améliorer un peu les conditions de vie des uns et des autres. Donc, ça fait partie, c'est une partie intégrante de notre projet. Et en tout cas, comme l'a si bien dit mon frère ici, c'est ouvert à tout le monde. Mm-hmm. Il suffit seulement de prendre attache avec le comité d'organisation qui va regarder dans les petits détails et puis on verra ce qui est faisable. D'accord. Et si tu me permets, bien sûr, il faut le mentionner parce qu'il y a des personnes très, très intéressantes quand même qui ont eu confiance en nous et qui n'ont pas hésité de nous accompagner bien sûr pour la 5e édition des sacs. Il s'agit bien sûr, cet événement sera sous le patronage de M. Karim Abdoul Sango, ancien ministre de la culture. Et le parrainage de M. Saïdou Tiendre Beogo, il est le PDG du groupe CGE, et aussi le coparrainage de M. Salifou Nikema, président du Conseil national de l'économie informelle. Ce sont des personnes réellement qu'il faut saluer. Merci à vous, la team SAC. Merci aussi à la team. Est-ce qu'on peut donner le contact? J'en venais justement. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je ne peux pas vous laisser sans demander l'infoline. Ce n'est pas possible. Yeah. J'ai chapé. Alors, encore une fois de plus, merci beaucoup. L'infoline SAC pour plus d'informations. Oui, pour plus d'informations, il faut composer sur votre téléphone le 79 11 00 66. Je répète, 79 11 00 66. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Il n'y a pas de quoi. Vous pouvez aller chez vous, ne vous inquiétez pas, les Mac 12 heures ont bien suivi, mais revenez aussi la veille. Hein? C'est important. Souvent, la répétition est pédagogique. Quand c'est bon. C'est bien évidemment. Alors, la saga des annonceurs se poursuit. Et pour installer notre prochain annonceur, nous avons décidé de jouer le titre Habib Nonga Nonce de Petit Moussa. De Moussa Petit Sergent, pardon, et Fuite Hamzi. Hey,
yoda, moi n'ka yoda. Habib non annoncé, ou abdayene, ou magnétisme. Non la wam yoda. Musique en notre manque à la part, j'ai l'embarras un t-shirt. Non annoncé, ou abdayene. C'est la qualité de ta musique qui te fera vivre de ça. Sinon, le temps ne fait rien contre toi. Moi, je suis à Yoda. Habib, non annoncé. Tout a payé. Tout m'a dit son moi. Moi, je suis à Yoda. Moi, je suis à Yoda. De la FME, le patronage du docteur Hortense Carambiri, pasteur principal de Eden TBI, la fondation Elanikema présente le concert d'action de grâce dénommé Ma reconnaissance à la fidélité de Dieu. Elanikema vous invite à célébrer le Seigneur pour ses 30 ans de ministère de chantre et prier pour la paix et la cohésion à travers un spectacle en son et lumière, monté minutieusement avec les chantres nationaux. Pasteur Mackelsé Emmanuel, Madame Bansé Séraphine, chantre Lise, Sadia Bureau, Sœur Anne-Marie et des chantres de la Côte d'Ivoire, Constance Ama, Nestor David, Marie C. Dimanche 30 octobre 2022, Palais des Sports de Ouagadougou, ouverture des portes, 17h30. Prix d'entrée, 2000, 5000 et 10 000 francs CFA. Participez en prenant vos tickets au numéro suivant. 70 27 34 70, 63 53 33 55, 78 79 70 82, 57 22 64 87, 71 91 51 35. Dieu vous bénisse. C'est la rentrée scolaire et nos enfants reprennent le chemin de l'école.
chers parents, c'est le moment pour nous de les rappeler les bons comportements en circulation. Chaque année, nous enregistrons des cas d'incivisme impliquant des élèves. Il est de notre devoir à tous de veiller à leur sécurité afin que plus aucun élève ne perde la vie sur le chemin de l'école. Bonne rentrée scolaire à tous. Suite et fin de cette saga d'annonceurs avec la team Fégoa représentée sur ce plateau par Don César et l'artiste surprise du jour. Mais avant de vous montrer mon artiste surprise, je dis bonjour à Don César. Bonjour, bonjour à tous nos téléspectateurs. Ça va bien et chez vous? Ah mon cher, est-ce qu'on a le choix? Ouais. Ça va bien. Nous sommes à la dernière semaine de Fégoa. Oui, dernière ligne droite. Hein. Dernière ligne droite, on est en train de paramétrer les derniers réglages déjà. Et nous sommes là aujourd'hui pour annoncer que notre artiste qui nous vient du Bénin, Atinkpon, est dans nos murs. Voilà, ça s'applaudit. Voilà. I love you, le vieux. C'est ma star. Non, non, c'est parce que je suis devant les écrans. Là, je vais le sauter sur vous comme ça. Ah, on a trop TikTok sur vos musiques. En tout cas, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, nous rendons grâce. Dieu merci, Waga, ça va? Très bien même. D'accord. Je suis bien accueilli. Je suis en tout cas, je suis en famille. On vous retrouve demain sur samedi sur scène. Samedi, voilà, c'est samedi, ça sera samedi 29, hein. Voilà, oui, samedi 29, samedi 29. Sur la scène de Fégoa. Atinkpon, on a parlé de lui longuement sur ce plateau, oui, bien sûr, avec son fameux Because. Oui. Voilà. Moi, je sais que la partie, là, c'est quand il aime dire I love you. On va rafraîchir la mémoire des Macdouzo. Voilà. Un petit acapella, si possible. I love you, my girlfriend. And you must give me a lot of children. Because you are beautiful. Your idea is good too. I can marry you. Wow. On le retrouvera samedi sur la grande scène du Fégoa. Cependant, il n'est pas seul à être là, voilà, actuellement. Il n'est pas seul. Notre invité surprise aussi, notre star, notre guest star aussi, elle, dans nos murs, Nessindri. Et Nessindri, déjà, que vous pouvez retrouver ce soir, déjà du côté du Jardin des Saveurs. Mmh. C'est à Ouaga 2000 pour le Meet and Greet. Ça veut dire simplement rencontrer votre star, lui poser des questions face to face. Voilà. Donc c'est ce soir, à partir de 18h, c'est l'entrée gratuite, la conso est obligatoire, voilà, du côté du Jardin des Saveurs à Ouaga 2000 à partir de 18h. Chez nous, on dit la répétition est très pédagogique, voilà. Et quand c'est bon, on bisse. Donc on va rappeler rapidement le concept du Fégoa. Rappeler, nous sommes à la 5e édition, le Fégoa, je rappelle, c'est le festival de gastronomie ouest-africain. C'est le rendez-vous de la gastronomie ouest-africaine à Ouagadougou. Nous sommes à la 5e édition. Gastronomie, c'est pas seulement manger, c'est comment manger, quand le manger quoi avec quoi. Voilà, plein de choses autour de la cuisine. C'est ce soir, déjà pour le premier rendez-vous, mais ce n'est pas l'ouverture officielle du festival. Je rappelle que c'est juste un événement pour débuter le festival. C'est ce soir du côté du Jardin des Saveurs. Sinon, l'événement, à proprement dit, c'est 72h. Ça commence à partir de ce vendredi 28 jusqu'au dimanche 30 octobre 2022. Ça sera du côté de la cour du FESPACO à Gouin. Voilà, l'entrée, vendredi et samedi, c'est 500 francs. Dimanche, 1000 francs. Venez découvrir, venez goûter l'Ouest africain. Venez goûter l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Parce que je rappelle, bien sûr, que la cuisine, c'est le troisième motif de voyage après la nature et la culture, selon un rapport de l'Office mondial du tourisme. Donc, venez découvrir les saveurs de l'Afrique de l'Ouest au Fégoa. Voilà. Infoline. Infoline 58, 51, 51, 51. Simplement 58, 51, 51, 51. Voilà. Merci à vous. Atinkpon est dans nos murs, que vous retrouvez déjà sur scène à partir de ce samedi 29 dans la cour du FESPACO. Merci beaucoup, Don César. Merci pour la confiance. Alors, tout comme la team SAC, je suis jeune et épanouie et Fégoa, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire, mais nous, ici, avons les moyens de le faire savoir. C'est clair. Et c'est un week-end qui va chauffer, chauffer, qui va chauffer. Eh, Dieu. Ce week-end sera chic. Je suis jeune épanouie. Il y a SAC, il y a le concert de Desaltino, il y a Fégoa. Voilà. Ah,
on va manger, on va danser. J'ai dit que, et puis toi, on va s'aimer. Mon frère, si tu dragues la go là depuis, là, fait tout, 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 on mène le fait quoi. Samedi 29, là. Quand à tes conseils, quand tu déchaînes, tu fais ce qu'on la coincer un peu. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a peu de temps, on parlait de ce que Dieu aime, de ce que Dieu n'aime pas. On a fait cette version avec le pasteur, un pasteur, voilà, la version chrétienne, et puis plusieurs ont eu à dire, non, ça c'est ce que la Bible a dit, dans l'islam là, c'est pas comme ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. J'ai dit, bon, calmez-vous, ici on a la solution à tout. Si chacun tire son épingle du jeu, on a décidé de ramener le thème version islam. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce qu'on peut être un bon musulman et puis aller de temps en temps en boîte? Est-ce qu'on peut être musulman et puis faire les choses, avoir une jeunesse épanouie, une jeune vie fraîche? Est-ce qu'on peut être une jeune fille musulmane et puis se trémousser, vous savez bien, être dans le bruit le samedi, autant le vendredi on était à la mosquée. Tout ceci, l'imam Nassouri Aboubakar viendra décortiquer, il viendra nous dire ce que Allah a dit tout à l'heure, juste après le titre « Je ne cesserai de te louer Allah » de Malika. À tout à l'heure, famille. Je ne cesserai de l'adorer, wa subhanallah. Je ne cesserai de l'implorer, wa alhamdulillah. Je ne cesserai de le louer, Allahu Akbar. Je ne cesserai de le prier, la ilaha illallah. Je ne cesserai de l'adorer, wa subhanallah. Je ne cesserai de cesserai de le louer, Allahu Akbar. Je ne cesserai de le prier, la ilaha illallah. Je ne cesserai de l'adorer. Dans ma jeunesse ou ma vieillesse, et ce, quel que soit le niveau de vie que j'aurai, je ne cesserai de l'implorer. En arabe, français, djoula ou moré, je ne cesserai de le louer. Car en l'islam, toute ma vie, je serai voué. Je ne cesserai de le prier. Il est le seul par qui j'aimerais briller. On jure sur le Coran de combattre Satan. On jure sur nos mères de protéger cette terre. On jure par les cieux de combattre pour Dieu. On jure, mais le cœur est-il pur? Je suis souvent mal garé sur le droit chemin, mais la clé de mon destin en main, montre-moi la voie qui mène à toi. Allah, donne-moi la force de rester droite. Tu es mon créateur, alors oui, tes commandements seront mes lois. Accorde-nous une belle part dans ce monde, une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu de l'enfer. À ceux qui nous ont dévancés dans la foi, aux âmes que tu as rappelées vers toi, accorde-leur ton pardon et ton paradis Firdaus. Et à nous qui sommes toujours en vie, accorde-nous une longue vie de santé et de piété, afin que l'on puisse parfaire ton adoration. Et que notre dernière parole soit La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne cesserai de l'adorer, dans ma jeunesse ou ma vieillesse, et ce, quel que soit le niveau de vie que j'aurai. Je ne cesserai de l'implorer, en arabe, français, du là ou moré. Je ne cesserai de le louer, car en l'islam, toute ma vie, je serai voué. Je ne cesserai de le prier, il est le seul par qui j'aimerais briller. Nous ne sommes que de passage sur terre, touristes d'un instant divin. Les mains, parce que je suis sûre qu'après cette émission, il y aura beaucoup de polémiques.
Il y a certains qui vont me dire, Lynn, tu n'as pas respecté l'imam. Lynn, en l'islam, n'en dit pas ça. Mais vous savez bien qu'ici, tout se traite avec beaucoup d'humour, avec beaucoup aussi de sérieux. Parce que joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Et pointer chaque jour du doigt des sujets qui vous intéressent aussi est devenu notre mission. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que Allah a dit ? Surtout, qu'est-ce qu'il a dit à nous, la jeunesse d'aujourd'hui ? On en parle maintenant avec l'imam Nassouri Aboubakar dans l'Instant Grain. Bonjour imam, bienvenue à bonjour, vous. Bonjour Lynn. Vous allez merci bien? Pour l'invitation, oui, je vais bien. Super. Mm-hmm. Imam, vous êtes choco des... Bon, merci. Vous avez besoin de une petite chemise, cravate, chic chic. En tout cas, ça nous plaît. Ok, merci. Merci. Alors, imam. Comme vous aussi. Mm-hmm. Officieusement, on en a déjà on parlait, hein, décortiqué. Mm-hmm. On parlera de la place de la femme, de la chasteté, de la jeunesse et l'épanouissement. Bon, je ne sais pas, vous voulez qu'on démarre. On va parler de la femme. On va démarrer. D'accord. La place de la femme dans l'islam. Parce qu'on dit, la plupart du temps, non, la femme ne doit pas parler quand son mari parle. Elle doit attendre que les autres parlent. Le corps de la femme appartient à son homme. Souvent, on voit des hommes qui obligent leur femme à se voiler. Pourtant, la fille, elle aime les mini. Mm-hmm. Donc, on dit, ah, si tu as marié musulman, là, il faut t'apprêter à changer ta garde-robe. Ce qui fait que souvent, nous-mêmes, là, quand là, tu veux nous draguer, on fuit. Mm-hmm. C'est vous ça. Refusez. C'est ça même. Subhanallah. Ok. Alors, avant tout propos, j'aimerais vous dire un grand merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Pour le très bon boulot que vous abattez chaque jour. Et j'ai aussi une pensée pour vos collègues qui sont malades. Oui. Je pense notamment à Doria et Zakaria Bandé alias Jacqueline. Mmh. Voilà, merci beaucoup pour la première question. Il faut dire que la femme a une place honorable, mmh, voilà, dans le Coran, parce que le Coran considère que la femme est un être qu'on doit respecter, mmh, qui a une place de choix, qu'on doit vraiment traiter avec douceur, avec sympathie. Et en même temps, l'islam lui donne effectivement le droit de s'épanouir. Voilà, donc c'est vrai que le Coran l'appelle à préserver sa chasteté, sa pudeur. Elle doit rester dans le juste milieu, mais elle a tout à fait le droit de s'épanouir, quoi. D'accord. Voilà. Alors, parlant de chasteté, mm-hmm, imam, oui, chez nous on dit on ne peut pas payer une chaussure qu'on n'a pas essayée. Mm-hmm. Si elle paye la chaussure, ça me sert à la maison. On fait comment? Mm-hmm. Ah oui, ce qui est sûr, comme je le disais tantôt, si j'ai bien compris, mm-hmm, votre question, ça veut dire que elle doit rester chaste. Là. Elle doit rester chaste. Oui. Oui. Si vous voulez une femme, peut-être pour le mariage, mm-hmm, vous voulez essayer avant de l'épouser. Mm-hmm. Bon, l'islam n'accepte pas cela. Voilà. Mais je me dis que à travers le petit moment au cours duquel vous allez vous connaître, mm-hmm, et chacun sera à mesure effectivement de dire à l'autre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. Mm-hmm. Et on n'a pas forcément besoin d'essayer avant de l'épouser, quoi. D'accord. Voilà. Alors là, maintenant, on va parler. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, oui, non, maman a bien voilà, compris. Mm-hmm. Mais apparemment, vous êtes resté sur votre chef. Et là, on va maintenant parler, okay, du divertissement. Mm-hmm. Est-ce que l'on dit qu'un bon musulman ne doit pas boire, ne doit pas aller, être dans le bruit, comme nous, les jeunes, on aime le dire. Mais est-ce qu'on faut de constater, non, on ne peut penser pas, quand il y a carême, là, les maquis, là, c'est fit. Non, on se demande qui boit. Ça, c'est une grosse question. Je reformule ma question. Okay, okay. Qu'est-ce que ça vous fait, okay, lorsqu'on vous dit à chaque fois que c'est vous les musulmans qui remplissez les boîtes de nuit, les maquis, pourtant vous prenez chasteté, vous prenez non-alcool et consorts? Oui, c'est vrai, c'est une question qui mérite d'être posée, mm-hmm, et surtout qui mérite d'avoir des éléments de réponse. Mm-hmm. Bon, c'est triste de le constater, mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de musulmans qui boivent. Mm-hmm. Maintenant, beaucoup de musulmans qui boivent, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce que le Coran a recommandé. Mm-hmm. Voilà, parce que le vin, l'alcool est interdit dans le Coran pendant plusieurs étapes, parce, mm-hmm, que le Coran a commencé à interdire certaines choses de façon progressive. Parce que si c'est brusque, les gens,
effectivement, vont fuir. Voilà, donc au début, les gens, les Arabes, ils buvaient, et même certains musulmans, jusqu'au jour où il y a eu une fête, et puis bon, l'heure de la prière est arrivée, il y a un qui est passé devant pour diriger la prière, et puis il s'est trompé dans la prière. Donc après ça, Dieu, il a révélé un verset, notamment le verset 43 de la sourate 4, où il a demandé aux musulmans de ne plus boire à l'approche de la prière. Après ça, il a encore dit de diminuer jusqu'à finalement dans la sourate 5 au verset 90 à 91, il a interdit ça de façon catégorique. Donc c'est une triste réalité. Il y a des musulmans qui en consomment et même pire, on voit effectivement des grands savants musulmans qui soutiennent que le musulman peut effectivement boire tant qu'il ne va pas exagérer, tant qu'il ne va pas tomber dans l'ivresse. Mais là, je ne vous cache pas que c'est bon, une logique qui ne tient pas forcément la route. Voilà, donc c'est interdit. Maintenant, si tu as un ami ou bien si tu connais quelqu'un qui boit, tu ne dois pas le sous-estimer, le manquer du respect. Non, tu dois le respecter. D'accord. Voilà, peut-être le sensibiliser sur les dangers de l'alcool jusqu'à ce qu'il abandonne. Mais maman, si je vous laisse partir sans poser la question, là, mes soeurs vont se fâcher. Mais maman, on a eu beaucoup de gars musulmans. Oui. On a eu. Non. Façon, amour chrétien musulman est doux. Oui. Mais à l'approche du mariage, on nous rappelle que nous, on est boussoumani. Donc, on veut savoir, qu'est-ce qui va. Pourquoi c'est difficile qu'une musulmane épouse un jeune chrétien et vice-versa? Il faut dire que c'est une question qui n'est pas tranchée par le Coran. Voilà, le mariage mixte, certes, il a été abordé dans le Coran, mais ça n'a pas été tranché. Donc ça fait que même en lisant la littérature, ce que les grands savants ont écrit, vous allez voir effectivement des divergences. Un premier aspect, ou du moins une première question, est-ce que un musulman peut épouser une chrétienne ou bien une juive, il y a une divergence. Parce que beaucoup vont s'appuyer en fait sur le verset 221 de la sourate 2 pour dire que c'est interdit. Et d'autres vont dire en fait que c'est permis. Voilà, parce que il n'y a pas de problème. Et mieux encore, dans la sourate 5 au verset 5, Dieu a dit effectivement que le musulman peut épouser une chrétienne ou bien une juive. Maintenant, est-ce qu'une musulmane peut épouser un chrétien? Bon, là aussi, il y a des divergences. Il y a une minorité, ou du moins une majorité qui dit que ce n'est pas possible, mais on trouve une minorité de savants qui dit qu'il n'y a pas de problème là. Mais voilà. Imam, sur nos cieux au Burkina Faso, dans nos mosquées, est-ce qu'on cautionne le mariage mixte? Surtout au Burkina Faso. Au Burkina Faso, non. Au Burkina Faso, non. Mais c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas d'argument valide comme ça à 100% pour dire qu'il faut effectivement l'interdire. Maintenant, moi, en tant que conseiller conjugal, si vous me posez la question, je pourrais vous dire que la religion n'est pas forcément un critère du bonheur conjugal. Voilà. Dans le couple, dans la vie conjugale épanouie, il faut beaucoup plus que la religion. Voilà. Donc, ça relève des choix de tout un chacun. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, Imam, on va rentrer maintenant cette fois-ci dans le showbiz. On voit aujourd'hui que lorsqu'il s'agit d'inviter des chantres musulmans, on part plus sur des cantiques. Quand on dit qu'il y a un chantre musulman qui va venir chanter, il nous emmène plus dans des... Mais quand on dit un chant chrétien va venir chanter, on commence à enlever nos chaussures en même temps. Mais quand on va faire les fêtes des musulmans, on boit jusqu'à, on est assis, on écoute la musique est douce, c'est un cantique, ça nous baisse. Est-ce interdit? Les instruments sont-ils interdits dans la musique musulmane? Ça aussi, c'est une très bonne question. À l'origine, il y a des savants qui se sont penchés sur la question en disant en fait que la musique qui est accompagnée par les instruments de musique est interdite en s'appuyant sur le verset 6 de la sourate 31. Mais on trouve une majorité écrasante qui ne voit pas les choses effectivement de cette façon en disant que ce verset a été révélé notamment à propos d'autres choses. Donc ça fait que le juste milieu, c'est de dire effectivement que le musulman peut écouter la musique et tant que dans le fond et la forme, il n'y a pas de problème. Et quand on veut parler de musique, on n'est pas obligé de parler uniquement d'Allah ou bien de son prophète. On peut aborder l'amour, on peut aborder autre chose, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Et le port du voile c'est quoi l'histoire? Donc j'oubliais quelque chose. L'instrument de musique, c'est revenu aussi dans certains hadiths, mais qui pose vraiment un gros problème d'un point de vue fiabilité des textes. Voilà, c'est un peu ça. Ok, donc quand on joue trop de musique, on s'oublie parfois. Justement, il ne faut pas exagérer. Voilà, parce que aimer la musique ou bien aimer un être humain plus que Allah, c'est ça qui est interdit en fait. D'accord. Voilà, parce qu'on n'a qu'un seul cœur. Donc si tu mets la musique, si tu remplis ton cœur de musique, évidemment tu vas oublier Allah. Mais tant que
tu restes dans le juste milieu, il n'y a pas de problème. Ah, c'est pourquoi la musique, elle est douce, se rappeler toujours la méditation. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas exagérer. Parce que non, c'est vrai, nous aussi, ce n'est pas fait petit show. Tout à fait. Ah, nous, on commence comme ça. Dans ce cas, on oublie, il faut qu'on aille venir à l'église. J'en sais beaucoup. Ça arrive, ça arrive. Souvent. Imam, aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'artistes qui portent du voile. Et à chaque fois, elle dit, non, je suis une artiste musulmane, mais même si elle faisait de la musique, elle fait de la musique humaine, automatiquement, elle commence à porter le voile pour dire, je suis musulmane, je dois porter le voile. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que porter le voile est synonyme de piété ou bien est synonyme de bon musulmane ou bon musulman? Non, c'est dans l'apparence. C'est dans l'apparence. C'est vrai que le voile, c'est quelque chose qui est recommandé par Dieu lui-même. Il y a beaucoup d'exemples qui sont légion en la matière. Par exemple, dans la sourate 3, verset 59, Dieu dit au prophète, dis à tes épouses, à tes filles, « Wa nisa il mu'minin yudnin alayhinna min jalabibihin » ainsi qu'aux femmes des croyants, de rabattre leur voile sur elles. Et également dans la sourate 24, au verset 31, Dieu dit aux femmes de rabattre leur voile sur elles. Donc le voile, c'est quelque chose qui est recommandé, c'est vrai. En fait, c'est pour préserver la chasteté et la pudeur, parce que le Coran considère que la femme est un diamant, un trésor qui doit être réservé à son mari. Mais quand cela ne tient, on ne doit pas l'imposer. Même à ta fille, tu n'as pas le droit de l'imposer. Tu dois seulement l'éduquer à cela, la sensibiliser à cela, jusqu'à ce qu'elle puisse prendre conscience de l'importance du voile. D'accord. Là, parlons de voile toujours dans les écoles aujourd'hui, on voit même en France, on chasse beaucoup d'élèves aujourd'hui, beaucoup de femmes qui portent le voile. Et moi, je ne sais pas, comment vous... Même ici. Même ici. Il y a d'autres qui disent qu'il ne faut pas ramener la religion à l'école. Imam, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça, c'est de l'exagération. Autant on ne doit pas forcer une fille ou bien une femme à porter le voile, autant une femme qui décide de porter son voile, on ne doit pas l'obliger effectivement à l'enlever. Voilà, sauf s'il y a un problème d'identification, par exemple une femme qui a couvert tout son visage et qu'il y a lieu de contrôler parce que nous sommes dans un contexte de terrorisme. Là, exactement, effectivement, elle doit se faire. C'est un peu ça. Ok. Voilà. Alors, Imam, votre affaire des... Un musulman doit prendre 3, 4 femmes, 5 femmes là. Nous, nos gars sont de nous faire au show avec. Ils nous traumatisent. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est validé qu'on est un musulman, il faut prendre 3, 4 femmes? Moi, j'ai mon frère Franck qui s'est converti à cause de ça. Parce que dit, lui, il est polygame. Donc, la seule religion qui atteste, lui, c'est ça, pour prendre 4, 5 femmes, il est devenu musulman. Non, c'est pas, la polygamie n'est pas une obligation. Au contraire, c'est une exception. Effectivement, aujourd'hui, on entend même beaucoup de grands savants musulmans qui disent en fait que la polygamie est la règle. Non, la polygamie n'est pas la règle. C'est juste une exception pour répondre effectivement à certains besoins, à certaines questions. Sinon que la règle, c'est la monogamie. Chaque homme avec une femme. Maintenant, il peut y avoir des cas exceptionnels. Voilà. D'accord. Donc la polygamie, c'est des pas... Des cas exceptionnels dans le cas où, par exemple, la dame est stérile, c'est ça? Non, pas forcément. Elle est stérile. C'est pas un crime d'être stérile. Dans le Coran, Dieu fait, en fait, l'éloge de certains prophètes et de certains gens de bien qui n'ont pas eu d'enfants. C'est pas un crime. Voilà. Par exemple, quelqu'un, un homme qui ne peut pas se suffire avec une seule femme. Voilà. Donc, ou bien une femme qui a perdu son mari beaucoup trop tôt, alors qu'elle a toujours besoin. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Sinon, que la polygamie, c'est pas une obligation. Je suis musulman, je dois avoir 2, 3 ou 4 femmes. Non, c'est pas ça. D'accord. Voilà. Donc, le polygame n'est pas meilleur que le monogame. Et le monogame n'est pas supérieur au polygame. Ok, voilà. Merci beaucoup. Voici c'est qui est bien dit. C'est ta conduite envers ton épouse qui est le plus important. Super. Voici qui est bien dit. Merci beaucoup une fois de plus, Imam Nassouri. On sait maintenant un peu plus sur le mariage, sur le port du voile, sur la polygamie et aussi sur le divertissement. C'était pour ça la raison pour laquelle on vous a appelé. Donc, famille, c'est vrai que tu portes voile, que tu es pieux que moi. Donc, Moussa, on dit l'alcool est interdit dans l'islam. Il faut arrêter de faire semblant pour dire non. Et le prophète a dit qu'on peut boire un peu. Et puis, non, il ne faut pas boire. Voilà. Merci beaucoup à vous une fois de plus, à Imam. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au Mac 12 reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, on bisse. Une fois de plus, joyeux anniversaire, Aimé. Zundi, prends soin de toi, mon gars. Et à demain. Tu vois, tu m'as rendu fraîche. Eh, Seigneur, Aimé, tu veux prendre la pointe dans mon émission, là encore. Bon, voilà. Moi, je suis réel. Voilà. Joyeux anniversaire à toi. Et prends soin de toi. Bisous, famille. À demain. DOH, Jacques Doria. Rendez-vous demain. Personne ne peut fermer.